Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. J'avais envie en fait tout simplement de vous emmener avec moi dans une journée. C'est une journée dans laquelle j'ai pas mal de petites choses à faire et en fait en général j'aime bien me faire des petites to-do list. Aujourd'hui on est le 13 mai 2020. Donc je me suis munie de mon bullet journal, c'est là-dedans que j'écris tout en fait. Je ne peux pas vivre sans tout simplement. Je serais perdue sans lui. Donc c'est un filofax en fait que j'ai acheté sur AliExpress. Et à l'intérieur donc de mon bullet journal, j'ai toute une partie consacrée au to-do list. Donc c'est ce qu'on va s'apprêter à faire tout de suite. Mais avant de commencer cette to-do list, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, un petit peu d'organisation. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez en revoir d'autres. Alors, voici ma liste du 13 mai. Donc aujourd'hui, je dois faire une lessive. Je dois également envoyer le chèque des charges et donc passer à la poste pour pouvoir l'envoyer parce que je n'ai pas de timbre. Il faut que j'aille poster des chèques que j'ai reçus. Il faut que j'envoie des partitions à mes élèves. Il faut que je fasse mes petites critiques des livres que j'ai lus dernièrement pour pas les oublier. Il faut que je finisse ma vidéo que j'avais commencée sur des masques de pied, que je finisse également une autre vidéo concernant des objets que je dois désencombrer. Je dois aspirer le matelas, je dois me faire une bucket list parce que j'aimerais bien me lister les petites choses que j'ai envie de faire dans ma vie. J'ai un colis Vinted à envoyer et j'aimerais bien donc me renseigner un peu pour les comptes YouTube. Donc comme vous le voyez, j'ai pas mal de petites choses à faire. Après, je me mets vraiment pas la pression. Si je fais pas les choses, c'est pas grave, je les fais le lendemain ou quelques jours plus tard. Mais voilà, ça me donne au moins une ligne directive de ma journée. Je viens de rentrer, donc je suis allée poster mes enveloppes. Je suis également allée poster mes chèques. J'ai aussi fait ma lessive tout à l'heure. Donc petit à petit, ça avance. J'ai envoyé les partitions, j'ai fait ma critique de livre, j'en ai même fait deux. J'ai aussi aspiré le matelas. Vinted et Utip, c'est absolument des choses qu'il faut que je fasse. Les vidéos, là, en fait, j'en ai tourné une parce que je viens d'aller chez Action, donc j'ai voulu filmer ce que j'avais acheté chez Action. Sauf qu'il fait déjà trop sombre, en fait, pour que je puisse tourner quoi que ce soit. Donc même la vidéo de chez Action, là, je pense que je la referai demain. Donc ça, je vais pas pouvoir le faire. Bon, ça y est, je viens de créer ma page Utip, donc je vous la mettrai en barre de description si ça vous intéresse de venir me rejoindre donc sur cette nouvelle plateforme
pouvez vous y abonner, vous pouvez me faire des dons, mais bon, ça je vous le conseille pas forcément, mais par contre, vous pouvez regarder des vidéos gratuitement et moi ça me rapporte quelques centimes à chaque pub visionnée. Hier, je ne vous ai pas repris parce que après ça faisait bien trop tard pour la luminosité, je n'arrivais pas à filmer correctement. Mais donc hier, j'avais bien posté les trucs sur Vinted, donc ça je l'ai coché. Et puis hier soir dans le lit, j'ai également commencé à compléter ma bucket list. Je ne l'ai pas fini, donc c'est pour ça que je l'ai colorié qu'à moitié. Donc si on fait un résumé de ma to-do list du 13 mai, j'ai fait pas mal de choses. Je suis quand même contente, j'ai pas eu le temps de finir mes deux vidéos. Mais voilà, pour moi c'est une ligne directrice que je dois suivre dans la journée. Après si je l'atteins pas, c'est pas bien grave, je reporte à la journée d'après. J'espère que cette vidéo to-do list et une journée avec moi de choses que je dois faire dans la journée vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut !